Organisé sous le thème « Réconcilier l'humanité et la planète », le Grimaldi Forum Monaco accueille la 36e conférence ministérielle de la francophonie. Je veux pouvoir dire au monde que nous avons jeté les bases d'une organisation internationale de la francophonie réconciliée avec ses origines et résolument tournée vers l'avenir, utile et efficace. Je ne peux pas le faire sans vous tous. Nous allons le faire ensemble, dès aujourd'hui, à partir de cette ministérielle et pour l'avenir. Pendant 2 jours en principauté, les représentants des 88 États et gouvernements membres de l'OIF discuteront du comment agir efficacement au service de la planète. Dans un message vidéo, le prince Albert de Monaco rappelle l'essence et l'esprit qui doivent prévaloir au sein de cette grande communauté. De réconcilier l'humanité et la planète. Cette réconciliation participe de cette même dynamique de symbiose qui doit animer notre organisation. Représenté par Alain-Claude Bilibizet, le ministre des Affaires étrangères, le Gabon entend mener un plaidoyer sur le parallèle des enjeux de l'humanité avec les questions environnementales. Le ministre des Affaires étrangères va mettre en avant l'expérience que le Gabon a dans la conciliation des enjeux de développement économique et social et les problèmes environnementaux. Placé sous le signe de la jeunesse, un des piliers fédérateurs de la francophonie, la cérémonie d'ouverture a été ponctuée d'intermèdes artistiques signés des petits chanteurs de Monaco, des danseurs de l'Académie de danse Princesse Grâce et d'un message délivré par les étudiants du campus de Sciences Po Menton.